Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le journal 100% étudiant. Toujours au cœur de l'action dans la ville de Montbéliard où M. Connard exerce une pression sur les habitants, nous avons aujourd'hui quelques informations capitales sur l'enquête. En effet, nous avons pu filmer M. Connard dans la rue et nous en savons maintenant un petit peu plus sur sa philosophie et sur la philosophie de la méchanceté. Regardez plutôt ces images. Après de nombreuses réclamations, M. Connard a enfin accepté qu'on le filme. Ce document inédit va nous en apprendre un petit peu plus sur ce personnage charismatique. Putain, par contre, tu me filmes depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Je te dis ça parce que je me dis que t'aimerais bien être moi, quelque part. Parce que tu te dis, oh tiens, si je le filmais, ouais, comme ça je pourrais peut-être dire, je connais le mec que je filme. Alors que pas du tout. Mais tu vois, il a pas vraiment appris à être beau dans sa jeunesse. Tu veux pleurer, c'est ça? Tu veux pleurer, c'est ça? Connard. Attends, ce mec-là, il faut de la guitare et des bruits spéciaux pour gagner de l'argent. Je trouve ça rigolo. Si tu veux, on peut s'approcher. On ne parle pas vraiment notre langue. Parce qu'avant, c'est des gens qui parlent vraiment de papier, tout ça. D'ailleurs, je pense qu'on va le dénoncer. J'appelle la douane pour le renvoyer chez lui. Dans les divers degrés de l'armée et la gendarmerie, t'as les gens qui sauvent le monde, t'as les gens qui mettent des PV puis qui sont des pervenches qui servent à rien. Je te laisse deviner ce qu'il y a devant nous. Bingo. Elle sauve le monde.